Hello! Alors, aujourd'hui, quelque chose de tout différent. Moi, je ne sais pas si vous aimez les oracles et les cartes. Moi, j'en ai, je ne trouve pas encore assez, mais j'adore ça. Et je vais vous présenter aujourd'hui ceci. Est-ce qu'on le voit? Nassoua, à Overijs, en Belgique. Une femme qui est très connue. C'est la fille d'une amie à moi, Chloé. Je l'adore. Et elle a créé ça ici. Et elle a un magasin de ouf. Je vais vous mettre le lien si vous cherchez des pierres. Elle passe sa vie à aller les chasser. C'est une chasseuse de pierres. Elle a été sur TF1 et enfin, la télévision tout plein. Elle est extraordinaire, Chloé. Je devrais la taguer ici pour qu'elle sache que je parle d'elle. Et ce magasin, c'est juste out of the world. Si vous cherchez des pierres, allez en tous les cas chez elle, allez sur son site web, vous pouvez les commander aussi en ligne. Et wow. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais tirer une carte pour moi. Peut-être aussi pour vous alors. D'abord pour vous. Faisons ça. Alors, on va faire une expérimentation. On s'arrête. Fermez les yeux. Pensez à quelque chose. Pensez à votre journée d'aujourd'hui. Et ce que vous vous souhaitez pour cette journée aujourd'hui, ce que vous voulez vivre, les questions que vous avez ou vous voulez avoir des réponses. Et je vais donc étaler ici les cartes. Je vais tirer une carte pour nous tous, d'accord? On va voir comment ça marche. Je fais ça avec moi-même, ce que moi je veux pour ma journée. Oui. OK. Voilà, je vous montre la carte, je ne l'ai même pas encore vue. Ok, et je vais vous lire, c'est la fluorite, connaissance et savoir. Très joli. La connaissance intellectuelle existe dans les livres, mais cherche avant ta connaissance et ton savoir inné. Travaille de manière appliquée pour accroître tes facultés d'assimilation. Utilise ta concentration, ton raisonnement et voyage dans ta mémoire cellulaire pour devenir experte dans ton domaine. Eh bien, quelle belle carte pour commencer une journée. En ce qui me concerne, vous savez quoi, je vais vous le dire ici. Et si vous mettez des commentaires, moi j'adore les commentaires, je vais lire ce que vous en pensez. Si vous connaissez Nassoua, Chloé, le magasin, ou si vous avez des cartes comme ça, si vous aimez les pierres précieuses, si vous en avez à la maison et lesquelles avez-vous? Et donc, ce qui est absolument extraordinaire avec ça, parce que moi je trouve qu'il y a toujours des synchronicités de ouf dans ce genre de choses. Je viens de donner une séance de pratique dans le cours Danse ta vie. On a toujours une séance de danse et le féminin sacré, une séance pratique. Et alors, le jeudi, on apprend les bases de la danse orientale qui servent comme entraînement hein, pour notre corps de femme. Et on a travaillé aujourd'hui justement sur cette volonté et cette, comme elle dit ici, la concentration. Et j'avais un exercice, donc j'avais hésité entre vous donner cet exercice ici ou tirer une carte. Vous savez quoi? Si j'ai le temps, là, ce midi, parce que là, maintenant, j'ai une réunion, je vous donne l'exercice qui va avec la concentration. Et ça va apporter la concentration d'une manière que vous n'avez probablement pas encore expérimenté. Truc de ouf. Donc, je vous vois tout à l'heure et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, n'importe quand vous regardez ma vidéo. Et mettez-moi un commentaire et je vous mets le lien de Nassoua. Gros bisous.